La vraie question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour permettre la négociation de branche pour revenir à 39 heures sans que les salariés y voient une perte de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Et elle est en train de nous proposer d'arriver à 32 heures. C'est juste du délire. Mais ça a fait le buzz. Elle est contente, elle a fait parler d'elle. Et puis, comme ça, elle n'a pas parlé de ses piteux résultats en matière de justice, peut-être.